Hey, hey, la bande! Hey, à gogo! Toujours là pour faire du n'importe quoi! Hey, hey, la bande! À gogo! Ils vont partir en voyage en mer! Sous les étoiles, il y a toujours des bêtises! À gogo! Patrick qui fait n'importe quoi! Ratoski qui réfléchit! Brian le chien, toujours fidèle. Et Ruby, l'ado Kraken. Hey, hey, la bande, hey, à gogo. Qu'est-ce qu'on attend pour l'aventure? Hey, hey, en voyage, en mer, ou dans un océan si vous voulez. Moi, je me casse parce que cette chanson est finie. Hein. La bande à gogo. Patron, est-ce que tu sais où est-ce qu'on est? Bien sûr que je sais où est-ce qu'on est. Mais pour le moment, aller à Mercantile, ça paraît plus long que d'habitude. Mais pourquoi? Comment ça pourquoi? Je te rappelle que les bateaux, c'est long. Si on aurait pu avoir un avion, ça aurait été différent. Mais un bateau, c'est vraiment trop long. Et pourquoi est-ce qu'on s'est arrêté sur une petite île? J'essaie de calculer la trajectoire et le nombre de kilomètres pour aller à Mercantile. Et ces deux? Comment te le dire? C'est à quoi? 600 km. 600 km! Mais ça va trop long! Surtout en bateau! C'est exactement ce que j'ai dit! Mais il faut trouver un moyen d'être allé plus rapide, sinon notre étoile de mer va disparaître! Enfin, dans un sens, il va disparaître et il sera plus à travers l'océan, mais il sera autre part! Il sera plus loin que l'océan! Et on pourra jamais le trouver! Il faut trouver un moyen d'être plus rapide que ça! Mais comment? Attends, je sais pas, j'ai peut-être ça, je suis peut-être le plus puissant, mais je peux pas non plus me téléporter comme Dieu à la façon de Dragon Ball Z, hein! Tu crois que c'est facile, hein? Bah, en même temps, on a créé une machine à téléportation. Mais on n'a pas de matériaux nécessaires pour ça, hein! Alors ça voudrait dire qu'on doit faire 600 km pour ça? Je crains que oui. Mais on est les plus forts. Et on ne relâche rien! Eh ben, j'espère qu'on pourra trouver l'étoile de mer en chemin, parce que sinon, ce sera vraiment casse-couille, hein! Je te le fais franchement pas dire. Bon bah, let's go, hein! Meanwhile. Vous savez, j'ai comme la sensation qu'on approche petit à petit d'Alola. Tu sais, petit à petit, c'est même pas suffisant. Et d'autant plus, comment tu peux savoir si on n'a même pas de carte? J'ai un certain sentiment, honnêtement. Pour être tout à fait honnête... Quoi? Qu'est-ce que tu vas ressortir, hein? Qu'est-ce que tu vas sortir cette fois, Patrick, hein? Vous savez, Alola, c'est là où il y a... des trucs genre... Tu sais même plus, c'est ça? De quoi tu parlais? J'en étais sûr! Mais sinon, vous n'avez pas la sensation que ça sent comme un sort de coup de vent? Comme un sort de coup de vent? Et j'ai une meilleure question. Comment ça se fait qu'on n'arrive pas à s'avancer? C'est vraiment une très bonne question, sincèrement. C'est vraiment trop mystérieux. Très mystérieux, très sincèrement. On n'arrive pas à naviguer vers le nord. Mais comment ça se fait, franchement? C'est vraiment trop bizarre. Je crois... Je sais pas, mais c'est vraiment trop... En effet, c'est trop bizarre. Et attends une minute, il y a une sorte d'île là-bas. Une autre île? Ouais, apparemment. Bon bah on a qu'à... En attendant, on a qu'à s'installer sur l'île en attendant si le coup de vent s'arrête, hein. J'espère que cette fois ce sera pas encore une sorte de gros taré Looney Tunes ou bien encore des cannibales. On l'espère tous, mais bon... je pense qu'on n'a pas le choix que de s'installer. 11 minutes later. Eh ben, c'est plutôt un île façon moderne futuriste. Ouais, bien mieux, mais... Oh putain, toilette, c'est trop cool, hein. Attends, quoi? Non, Patrick, non, non, Patrick, non, Patrick. Oh non, j'ai fait caca sur mon short. Putain, Patrick, t'es trop dégoûtant. Va changer de short, tout de suite, et va te laver, hein.
C'est vraiment étrange, une île qui soit un peu futuriste. Ça a l'air plutôt original, hein. Et attends une minute, ça voudrait dire que... Oh, j'ai hâte de avoir du oui. Mais merde, mon téléphone n'a pas de wifi sur cette île, c'est pas vrai. Il y a de tout, il y a même des toilettes, mais pendant le wifi, il n'y en a même pas. Oh, franchement, c'est quand même un peu décevant, hein. Il y a de tout, sauf le wifi, hein, comme elle a dit. Je me pose quand même certaines questions concernant le fait qu'il y a un coup de vent. Ici, il n'y a pas vraiment de coup de vent. C'est vraiment étrange. Très étrange. Maintenant que tu le dis, mais si on essaie de fouiller l'île et avoir des réponses. Bienvenue, mes très chers valeureux aventuriers. Vous êtes sur l'île Fan. L'île le plus moderne de tous les temps. Que tu me dis ? C'est qui lui ? On dirait un face de Picasso. Et t'es qui en plus ? On te connaît même pas. Comment ça, vous connaissez même pas ? Je suis le héros légendaire. Quoi ? Sérieux, c'est pas là ? Je suis... le robot héros. Wouhou ! Aïe ! Mais comment tu peux subir la souffrance, t'es qu'un robot ? Je suis un robot héroïque. Compétent, sexy et même beau gosse. T'en prie, tu fais pitié, hein. Comment ça tu oses dire que je suis laide, hein, c'est cher. Bah, à mon avis, ouais. J'ai une question, est-ce qu'il y a d'autres habitants sur cette île? Eh oui, me proclame comme un véritable héros. C'est moi qui ai sauvé la situation. Et c'est moi qui a réussi à sauver l'île face à mon intelligent charismatique. À ce point-là, en faisant comment? Ça, je peux pas vous le dire. Vraiment pas. Pas du tout. Mais comment tu peux être considéré héros alors que tu n'as même pas de main? Oh, tu oses te fier aux apparences? Et le fait que je suis un incapable parce que je suis mal, j'ai même pas de main. Eh ben, espèce de monstre. Cela étant dit, je suis pas non plus le maître de cette île. Et justement, je suis proclamé héros légendaire parce que j'ai honnêtement respecté le maître de cette île. Attends, sérieusement, tu es devenu... Tu as le titre de héros légendaire juste en respectant un maître? Ben oui, exactement. Mais d'ailleurs, je vous recommande de ne pas trop il faut confronter au maître de cette île, hein, parce que sinon il sera vraiment pas content du tout, hein. Et moi de même, hein. Mais en même temps, je suis son assistant. Mais enfin bref, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Bon séjour à cette île et passez une bonne journée. Wouhou ! Il est trop bizarre ce mec. C'est un robot. Mais bon, on n'a qu'à continuer à explorer l'île pour voir. Attends une minute, l'île de Fan. Mais pourquoi île de Fan? Je comprends pas. Je me pose aussi la même question. Mais peut-être si on continue à explorer sur cette île, on pourrait avoir d'autres réponses. Sûrement, ouais, sûrement. Hé hey, il y a d'autres habitants? Et ce sont des robots. Quoi? Les robots dans Bataille de Bikini Bottom? Non. Sont des robots de cette île. Oh bah dans ce cas, il n'y a rien à craindre. Sauf si ce sont des antipathètes crabes. J'espère juste que ce sont pas des gens relous, hein. Ils n'ont pas l'air d'être innocents. Ils n'ont pas l'air d'être si offensifs que ça. Et le moto, là, il a l'air inoffensif, peut-être. Oh, d'accord, je vais les parler. Bonjour. Tiens. On dirait que ça doit être un gars qui a des problèmes à cause du coup de vent. Oui, attends, mais comment est-ce que tu sais ça? Crois-moi, on sait l'histoire. Totalement.
Et je peux garantir que cette île est une véritable fraude depuis que l'autre connard est installé sur l'île. Attends une minute. De quoi vous parlez? Attends, est-ce que vous parlez du robot rouge, là? Ah ça, ouais, en fait, pour vous expliquer, il faudra vraiment que vous nous écoutez. Parce que là, franchement, c'est une longue histoire. En effet, parce que là, j'ai vraiment pas compris du tout de pourquoi est-ce que cette île est-il fraude, d'après vous? Que des mystères. Notre île est un véritable paradis. On s'amusait bien, on a beaucoup de nourriture en termes de batterie, on parlait bien et on se détendait bien. Bref, un véritable paradis. Jusqu'à ce que l'autre connard ait installé sur cette île. Et crois-moi que c'était un véritable cauchemar. Mais on avait failli réussir à les débarrasser. Jusqu'à ce que le Dingo Robot ait pu foutre en l'air. Dingo Robot? C'est le nom qui s'appelle le robot rouge. Attends, mais ce serait pas celui qui se prétend être héros légendaire? Oui, exactement! Et crois-le ou non, on a essayé de tout faire pour débrancher de lui et on n'arrive même pas à cause de ce Dingo Robot. Il nous casse les couilles et depuis on n'a plus beaucoup de nourriture en termes de batterie. On n'arrive plus à se détendre, on est traité comme des esclaves et ça nous fait chier. À ce point-là? Ouais. Là, on est en pause, mais notre pause ne dure que seulement 30 minutes. Et ce n'est même pas assez. Et si jamais on ne fait pas le moindre travail, on risque de subir l'ouragan pendant une heure. Ouragan? Oui, c'est le maître le plus méprisable de tous les temps. On n'en peut plus, franchement. Mais pourquoi vous restez là à ne rien faire? À ton avis, pourquoi? À cause du Dingo Robot. Il nous fait chier. Il n'arrête pas de faire son capteur, il n'arrête pas de nous forcer à faire le travail, et ça nous casse les couilles, franchement. C'est vraiment horrible, ça. Et avant, c'est à cause de ce genre de personne si on n'arrive plus à progresser pour aller à Lola? Ouais. Bon, je te jure. Bon, il faut quand même trouver un moyen de se débarrasser de ce connard en question, hein. Mais comment? Peut-être que si on fait une collaboration, on pourrait, affronter. Ouais, c'est peut-être pas faux, honnêtement. Mais encore faut-il se débarrasser de Dingo Robot, hein? Une bonne question. J'ai peut-être une idée. Mais seulement, faudrait quand même qu'on ait plein d'appli à un plan, hein? Je sais pas, je vous connais pas vraiment. Mais est-ce que vous allez nous aider? Et pas faire le faux cul caster comme le cas avec le Dingo Robot? Je suis quelqu'un de serviable. Pas quelqu'un qui laisse tomber ses amis comme une véritable chaussette pourrie, hein. Bah en même temps, je viens juste d'appeler de les connaître, mais bon, je suis quand même partante. Non, s'il n'y a pas de pâté de crème, aïe! Bon, c'est quoi le plan déjà? Bon, oui, tu as raison, le plan. Alors, que l'on se comprenne bien. Many, many minutes later. Ça paraît risqué ce genre de plan. Mais je suis pour! Bon, on fait quoi maintenant? Tout ce qu'il nous reste à faire, c'est affronter le maître. Mais il faudra d'abord débarrasser de Dingo Robot. Mais malheureusement, on peut pas! Parce que vous êtes amis? Mais non! On est que. Sérieusement, j'arrive pas à lui frapper! Parce que j'ai été programmé pour ne pas frapper des gens! Ouais! Notre créateur sont des cons! Trop cons! Ultra cons! Mais ce qui est même encore plus con, c'est que comment ça se fait que Dingo Robot, lui, il est capable de. Il a le droit de frapper quelqu'un alors que nous non, hein. C'est même pas logique. Les créateurs sont que des bandes de gugu. Pour une fois, c'est pas vraiment faux, hein. Mais bon, une question, où est-ce qu'il se trouve le maître? Il se trouve là-bas. Mais je pense que là, d'entre vous devrait se débarrasser de Dingo Robot, hein. Bon, Patrick, tu sais ce qu'il te reste à faire, hein? Tu sais, le robot rouge, il déteste les pâtés de crabe. Ok, il est mort. Mais il peut pas mourir, c'est un toon. Oh, enfin bref. Bon, allons-y. Très bien. Bon. Vous trois, vous devez trouver d'abord Dingo Robot, puis le coincer. Mais on peut pas le frapper. Ah oui, on peut pas le frapper. Mais le coincer, c'est différent, hein. Ah oui, c'est pas faux. Bon, vous trois, suivez-moi.
Patrick, ne fais pas la merde cette fois, hein. On compte sur toi. Et nous laisse pas tomber, hein. Ok, toi, tu vas devoir faire ce qu'il te reste à faire. Pour le moment, rien au réseau. Ah, j'adore être l'assistant de mon maître. Ça doit faire une demi-heure. Les robots esclaves ont intérêt à faire leur boulot. Hé, hey, toi, connard! Oh, le royal aigle nul! Hé, hey, je suis un aigle royal! Espèce de connard! D'où tu m'insultes? Tu sais très bien que si tu m'insultes, je te tabasse et tu seras en ouragan pendant une heure. Bon, palette! Parce que devine quoi? Hein? On a trouvé un mec qui serait capable de te frapper, hein? Eh ouais, tu as intérêt à nous respecter, sinon tu vas subir un... Enfin, tu l'as compris, hein? Et on a marre d'être l'esclave pendant longtemps, hein? Cette fois, là, tu as intérêt à te remettre en question et changer de mentalité, hein? Non! Tant pis pour toi, Patrick, à toi de jouer! Je suis pas un Pokémon! Toi, le connard! C'est toi qui as dit que tu détestes des pâtés de crabe? Non! Menteur! Allez, oh, 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 mais ça fait mal. Ah, non, 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 il a tout ce qu'il a dit, non. Ah, ah. T'es mon prisonnier. Et vous tous, vous avez intérêt à suivre avec moi pour voir le maître, pour subir la sentence. On a eu un faux espoir. Putain! On est proche du maître. Soyez sur vos gardes. Vous trouvez pas que ça devient sombre? Justement, ces ciels nuageux sombres sont les créations du maître. Il est vraiment si diabolique que ça? Bah oui, franchement. Bon. Le voilà. Voici le maître en question. C'est quoi ce délire? C'est lui le maître? Absolument. Un ventilateur? Pas n'importe quel ventilateur. Ce ventilateur, c'est un monstre. Il bloque le passage envers tous les navigateurs. C'est lui qui n'arrête pas de prendre toute la partie batterie. C'est lui qui nous empêche de nous amuser, de parler, de détendre. C'est un véritable dictateur. Son nom est... Master Fan. Master Fan? Oh, je vois d'où le titre, l'île de Fan. Oui, parce que à l'époque, ça devrait s'appeler l'île des robots. Mais depuis qu'il est installé ici, c'est l'île des Fan. Mais c'est vraiment un véritable fumier, ce mec. Je te le fais franchement pas dire. J'entends tout. Oh merde, il nous a entendu. Montrez-vous. Oui, je me montre et j'ai plus peur de toi. Ah ouais, comment? Parce que on est là. On est là pour vous arrêter. Ouais, tu as intérêt à changer. Vous pensez sincèrement que moi, Master Fan, vous allez me laisser plier à vos caprices à deux balles? Je suis le maître de cette île. Et vous n'avez pas intérêt à faire quoi que ce soit d'autre sur moi, ou sinon, vous allez subir la colère de Master Fan. Eh ben, tu peux mettre les doigts dans le cul parce que c'est fini. On n'a plus peur de toi. Ouais. Vraiment intelligent, hein? Oh merde! Peu importe, vous trois, vous osez défier le Master Fan, le maître de l'île de Fan, vous allez subir la colère! Et je vais préparer une bonne souffle. Pour vous, faites vos prières! Mais qu'est-ce que... Non, 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 non.
cette fois tu as dépassé les bornes. Bon, je vais devoir utiliser l'attaque de Mario. Jamais utilisé, mais je vais essayer. Oh, oh. Eh, hey, mais j'ai réussi. Monstre, imbécile, méprisable. Pareil, mais c'est avec coup de poing. Ruby, tu peux pas utiliser le coup de poing, elle est trop loin. Eh, merde. À ton tour de subir le tourbillon. Oh, c'est pas vrai. Faut vite trouver une solution. Brian, utilise le coup ballon sur moi. Ok, d'accord. Shoot dans le gnome. Imbécile, monstrueux, malotru. Vous osez essayer de faire du mal au maître Fat, c'est ça? Bah, ouais, exactement. Bon, eh. Aïe, c'est même pas du musique de baseball ou de passe-balle-balle, mais plutôt une musique d'hockey. Attends pour moi. Ah, vous croyez être drôle, c'est ça? Vous savez que le maître Fan est résistant, malgré... Oh, mais laisse-moi finir là. Oh, mais putain, mais... Oh, tu oses me m'interrompre en plus, hein? Le maître Fan. Tu voudrais pas plutôt dire le Master Fan? Peu importe. Je vais vous faire emporter dans l'ouragan. Pour se mettre à l'abri. Oh, là-bas. Comment osez-vous esquiver mon attaque? Parce qu'on n'est pas des débiles, hein. Tu crois sincèrement qu'on va rester là à rien faire, hein, comme des glands? Tu peux mettre des doigts dans le cul, hein. J'ai même pas de cul, hein. Mais, honnêtement, vous commencez sérieusement à m'exaspérer. Peu importe, cause toujours, tu m'intéresses. Je commence à me fatiguer. C'est le bon moment. On va devoir utiliser une attaque ultime. Et quelle attaque ultime? Je ne sais pas. On n'a qu'à se contenter de sauter. Non. J'en peux plus. Je suis bientôt KO. Mais non, je déconne. Quoi? J'essaie juste de faire semblant que je suis fatigué pour vous faire un faux espoir. J'ai toujours plus d'atouts dans mon sac. Et pour la peine, c'est l'ultra ouragan que vous allez tous subir. Alors là, c'est là, on n'a même pas pu esquiver à temps, hein. Cet ultra ouragan est inesquivable. Même les plus forts ne peuvent pas s'y opposer. Oh, j'ai mal, oh là là. Mais on va pas baisser les bras pour autant, hein. Hé, hey, toi, le connard, hein? Attrape ça. Non. Yes! On a gagné! Alors c'est qui le patron? Bien joué Wally, tu as été vraiment perspicace! Et c'est grâce à ton plan, Radoski! On n'aurait jamais réussi si tu n'aurais pas un plan aussi efficace! Merci Wally! En tout cas, ça a été vraiment un long combat! Hein. J'en peux plus là! Vraiment, franchement, Wally, t'as vraiment été malin, hein. En ramenant la bombe, en essayant de faire croire que tu es tombé, tu fais tomber exprès pour faire croire au maître, Master Fan, pour croire que tu as tombé exprès pour que tu perds comme une merde, franchement, c'était perspicace, hein. Et vraiment, stupide. Mais non, ah! Vous croyez sincèrement que j'allais me faire exploser comme ça d'un seul coup comme par magie? Mais vous pouvez vraiment me mettre dans les doigts dans le cul, hein? Quoi?
Comment est-ce que tu as réussi à résister aux bombes? C'est grâce au robot Dago. Il a prévu de mettre un système de protection contre les bombes. Mais putain de connard de merde. Et ce n'est pas tout. Les gens ont voulu essayer de tenter de faire une rébellion contre toi. Non seulement ce groulard, et ces robots qui sont considérés comme des sales traîtres. Oh, c'est pas vrai. Non. Si. Et vous voulez savoir c'est quoi la meilleure? Non. Vous allez subir 2 heures d'ouragan. Non, attends, 1 journée d'ouragan. Pour avoir osé trahir le Master Fan. Pour avoir osé montrer l'irrespect que vous avez envers le Maître Fan. C'est moi le maître, c'est moi. Qui devra fermer sa gueule? Quoi? Mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Oh. Non. Qu'est-ce que... Eh? Quoi? C'est sérieusement? Tu n'avais pas pensé à ça, hein? Quoi? Le fait qu'il y a une prise! Tu aurais pu... Oh, mais je te jure, quoi? Est-ce que tu... Oh! Mais sérieusement, il y avait une prise, c'était même très simple à débrancher, et tu n'avais même pas pensé à le dire! Oh, c'est vrai, t'es pour moi. Je te jure, quoi? Non! Maître, non! Oh, comment vous avez pu oser faire ça, mon copain? Oh, maître, il a été débranché! Et toi, tu nous saoules! Quoi, mais qu'est-ce que tu fais? Dégage! Je reviendrai! Bon débarras! Et qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est que... Bah, avant, le Master Fan a été débranché. Et d'autant plus, le robot Dago a été expulsé par Ruby. T'aurais pu me demander mon autorisation quand même, hein? Bah désolé, il était quand même chiant. Et puis il vous a trahi, hein? Pas faux. Later. Franchement, merci les compagnons. Vous avez sauvé notre île. Et on a débarrassé de ce Master Fan une bonne fois pour toutes. Eh ben franchement, il n'y a pas de quoi. Et oui, il était vraiment pénible ce Master Fan. Ouais, il n'aime pas le pâté de... Ah, ça c'est bon avec tes pâtés de crabe, hein? Pour vous récompenser, vous pouvez rester libre autant que vous voudrez. Bah, on aimerait bien rester une journée, et puis voilà. Vous êtes pas des bizarres cannibales, hein? C'est déjà ça, hein? Pourquoi est-ce qu'on serait des cannibales? On a déjà beaucoup de batteries, hein? Oui, mais la nourriture de tout ça... Comme on sait que vous êtes, des gens qui ne mangent pas des batteries, on a tout prévu. Oui. Une sorte de liquide à shampoing. Une liquide à shampoing? Est-ce que c'est vraiment comestible? Allez, vas-y! Eh, mais c'est vraiment super bon, vous devrez y goûter, hein! Je veux pas! Ah, on a prévu le shampoing pâté de crabe. Oh putain, sa mère! Où est-ce qu'il est? Non, t'as pas intérêt à en manger! Tout la cargaison, hein! Putain! J'aimerais bien y goûter aussi! Eh, mais oui, en effet, c'est vraiment super délicieux, hein! Et super bon, en plus pour la santé! Je sens un peu plus de vitamines, hein! Ah, content que ça vous fasse plaisir. Cela étant dit, vous pouvez rester sur l'île, vous pouvez vous reposer, et on a prévu une chambre pour vous. Mais cela étant dit, honnêtement, pour le voyage, on peut pas vraiment vous aider, hein. Bah, on va juste rester une journée. Enfin, on a mérité ce genre de voyage. Vous êtes tous... Tais-toi! Non! Mais je voulais dire que vous êtes sympa. Hein? Ah, autant pour moi, Patrick, pour une fois, autant pour moi. Vous allez dire quoi, Dizia? Sans commentaire. Bon, en tout cas, vous avez mérité ce genre de repos. Mais j'espère que pour vous, vous allez retrouver la terre ferme ou bien encore que vous allez trouver à Lola, hein. Ah, bah de toute manière, franchement, ouais. Ouais, qui sait de quoi s'attendre pour les prochains événements? Le crabe croustillant, Patrick!